brought some people on that were ungrateful. Yeah. I done held some bitches down that were unfaithful. Leaning, pouring syrup, no maple. Foundation music, got that money on the table. Bonjour à tous les breakers, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'event dealer de rue qui est disponible depuis jeudi sur GTA Online. Donc vous aurez un petit message quand vous allez apparaître dans leur zone. Avec ce message-ci, votre produit peut être vendu à des dealers, chacun cherchant à acheter un type de drogue spécifique pour un prix plus élevé que la normale. Les prix qu'ils paieront et leur emplacement changent chaque jour. Donc vous en avez à peu près 3 par jour qui spawn et vous pouvez faire les 3. Bien évidemment, si vous avez du stock. Donc, je vais tout simplement aller le voir et voir ce qu'il me demande. Voilà, donc là c'est une demoiselle visiblement. Voilà, donc pour parler au dealer, tac. Vente du cannabis, vente de la meth, vente de la cocaïne et vente de l'acide. Vendez une unité, ok, donc là, vendez le maximum. Vous pouvez vendre 10 unités, tac, voilà. Donc là avec le carré je fais vendre le maximum, vous les vendez, voilà. Donc si vous avez vos business qui sont tout simplement en place et qui tournent, vous pouvez tout vendre directement, voilà. J'ai tout vendu. Vous avez vendu le montant maximal de votre produit à ce dealer. Trouvez d'autres dealers pour en vendre davantage. Voilà, donc il y a 2 autres dealers qu'on peut trouver sur GTA Online. Il y en a 3 par jour à 3 emplacements différents. Et ils changent tous les jours de place, bien évidemment. Au total, j'aurais dû remettre mon compte à zéro, mais j'ai calculé. Donc là, juste pour avoir tout vendu à ce dealer-là, pour un dealer, je me suis fait 81 150 GTA dollars. Et donc, on passe au deuxième, puisqu'il est, c'est le plus proche du premier qu'on a vu tout à l'heure, au deuxième dealer pour vous, et ce sera donc le troisième pour moi. Parce qu'entre deux, j'étais allé à celui-là d'en bas, mais vous allez le voir juste après. Comme ça, je vous ai montré les 3 dans la vidéo. Donc, bah là, encore une fois, on va tout simplement s'approcher du dealer. Et voir si vous pouvez tous les vendre. Vous voyez, donc là, je peux vendre maximum. Tac. Donc là, la cocaïne, il m'en demande qu'un. Le cannabis, il m'en demande 10. Je peux tout lui vendre. Et de l'acide, il m'en demande 10. Je peux tout lui vendre. Ensuite, vous avez celui-ci qui a spawn à Cypress Flats. Donc ça, ce sera le troisième et le dernier. Alors désolé, du coup on a commencé par le haut et on finit par le bas. Mais voilà, au moins vous avez les 3 pour aujourd'hui. Donc, on va aller le voir. Ça serait bien que tu cours un peu plus vite, frérot, parce qu'on n'a pas que ça à foutre. Voilà. Donc, eh ben, lui, on va voir si je peux tout lui vendre aussi. Cannabis, vendre le maximum. Ok. Meth, vendre le maximum, c'est bon. Cocaïne, c'est bon, je peux tout vendre aussi. L'acide, est-ce que je peux vendre le maximum aussi? Bon bah voilà, j'étais full plein. Et là, je me suis fait encore 82 950 GTA dollars. Donc, avec les premiers 81 000, ça nous fait un total de... Là, on est à 164 100 GTA dollars avec les 2 dealers. Ça commence à faire pas mal d'argent quand même. Adios. Voilà les breakers pour l'event des dealers de rue qui est maintenant disponible sur GTA Online. Je vous ai montré les 3 emplacements du jour. Et voilà, pour vous dire, au total, je me suis fait 247 500 GTA dollars juste en vendant mon stock aux dealers de rue. Et ça, vous pourrez le faire tous les jours aux dealers de rue. Donc veillez à ce que vos stocks de vos business soient constamment en route et vous pourrez vous faire autant d'argent à peu près, parce que c'est pas tout le temps les mêmes prix, chaque jour avec les 3 dealers qu'il y a chaque jour sur GTA Online. Donc ça vaut quand même pas mal le coup, mine de rien, pour ceux qui veulent se faire de l'argent facilement. Voilà les amis, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, à lâcher le pouce du soutien et pourquoi pas vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos sur la chaîne TGS Rockstar Club autour de GTA Online et de l'univers Rockstar Games. Vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Tous les liens sont dans la description. Je vous souhaite une bonne journée. Encore merci à tous pour votre soutien et merci d'avoir visionné cette vidéo. Et je vous dis à très vite. Ciao.